Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je suis très contente de filmer. On se retrouve pour mon haul annuel des soldes d'été. Voilà. D'ailleurs, je vais demander si vous vouliez deux vidéos séparées comme je fais d'habitude ou bien une vidéo en une seule. Vous m'avez tous répondu une vidéo en une. Cependant, j'ai fait ma collection de maillot de bain 2020 sur un IGTV qui se trouve actuellement sur mon Instagram, @amsoleane. J'espère que vous aimez ce setup. Je pense que c'est là où je vais filmer dorénavant. Vu que j'ai refait ma chambre, j'avoue que je ne savais pas où filmer. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonjour, je m'appelle Léa. Bienvenue. Enchantée. Hi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne sur le bouton rouge qui est juste en bas, ça fait toujours plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Snapchat. J'ai juste à préciser que ce haul sera rempli de jupes. J'ai une passion actuellement et c'est les jupes. Je fais que en porter. Alors qu'avant, il y a un an, que tu m'aurais demandé de mettre une jupe, je t'aurais mis une grande claque. Et maintenant, j'adore ça. D'abord, nous avons cette jupe en jean que je portais sur une photo Instagram, basique, normale. Ouais, elle coûte genre 20€. Par contre, celle-là, je l'ai pas eu en solde parce que bien évidemment, ils l'ont pas soldée. Elle est taille haute. Ce que j'aime tout, c'est ça là, tu vois. Les petites franges à la fin, je kiffe. Ensuite, nous avons ce t-shirt là, trop mimes, que j'ai porté une fois dans ma vie et il faisait grave des vibes Euphoria et tout, et je l'ai même porté quand j'ai refait le maquillage de Maddie dans Euphoria. Je l'aime trop. J'ai fait une vidéo sur Euphoria où je recrée le make-up d'Euphoria, donc si tu l'as pas vu, je vais essayer d'avoir. Il m'a coûté 4€. Ça fait un moment que je l'ai acheté, donc je sais pas si je vais retrouver. De toute façon, checker tous les liens dans la barre d'infos parce que je vais essayer de tout mettre. On va passer à Monki. Alors, à Monki. Monki, c'est devenu grave mon magasin. Enfin, c'est un magasin que je connaissais pas trop. Je passais devant, mais j'allais jamais. Ça m'avait dit qu'elle avait trouvé plein de trucs trop mignons là-bas. Et du coup, je suis allée voir. On va commencer avec ce pull. Alors, oui, c'est des pulls en été. Je le porte tout le temps. Super confortable. J'ai une passion, c'est mettre des t-shirts en hiver et des pulls en été. Il m'a coûté 12€. Ensuite, je me suis acheté ce soutien-gorge dès la seconde. J'arrête d'importer. J'achète que les soutiens-gorge pour soit l'hiver, soit quand ils sont hyper beaux, soit quand j'ai des t-shirts qui sont hyper transparents. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est les fleurs. Tout, il m'a coûté genre 6€. Et ensuite, j'ai acheté bien évidemment deux jupes. La première, c'est celle-ci. Je l'ai portée sur un post Instagram que je vous mettrai juste ici. Suis-moi sur Instagram. Et ensuite, j'adore le beige et le blanc. Genre vraiment, vraiment. Avec des bijoux dorés ou même argentés, ça fait de l'affaire. Elle m'a coûté 10€. Et la deuxième jupe, qui est celle-ci, qui me donnait des vibes genre clouless, tu vois. Et là, en jean, j'aime surtout les carreaux comme ça. Pareil, 10€. On adore. Et enfin, je me suis acheté juste un sac. Et surtout un sac noir avec des chaînes argentées. J'ai que des sacs noirs avec des chaînes dorées. Et il m'a coûté genre 10€. On va aller rapidement à H&M puisque j'ai acheté un seul truc. J'ai pris un maillot de bain, une pièce comme ça, parce que pas un maillot de bain, une pièce. Enfin, j'en ai un seul et je le mets jamais. Tu sais, quand tu pars en vacances avec ta famille, des fois c'est bien. Voilà, parce que. Voilà, bien couvert sur les fesses et tout. Et ce que j'aime, c'est ça. C'est que le dos il est bien ouvert et tout. C'est la seule raison pour laquelle j'ai vraiment voulu le prendre, parce que sinon je laissais ça mettre dans une pièce. Comme je suis petite, j'ai l'impression que ça fait rapidement enfant. Ensuite, on va passer chez Style. À ce t-shirt là, je l'ai pris en M. Il est un petit peu grand. J'aurais dû le prendre en S, mais il est hyper beau. Pris en jaune parce que j'adore le jaune. Il m'a coûté 12€. Et donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce t-shirt là que je kiffe. Et en fait, moi j'ai une obsession avec les cerises. Les boucles d'oreilles qui vont avec. Et trop mims. Voilà. Ensuite, on a ce t-shirt là, c'est un top basique. Il est comme ceci, il est jaune, trop beau, basique. Tu mets ça avec un jean, une paire de chaussures blanche ou jaune, ça fait l'affaire. Et t'as une petite tenue pour l'été et coûtait pas trop cher, je crois, genre 5€ ou un truc comme ça. Pour finir, mon truc coup de cœur de Yesstyle, c'était cette jupe là. C'est un peu genre animé japonais, tu vois. Par contre, elle est courte. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit short. Vous pensez qu'ils vont voir ta culotte s'ils lèvent ta jupe. Mais en fait, non, il y aura un petit short qui est assez court, mais il est quand même là. Ensuite, on va passer chez Pinky. J'ai acheté très peu de choses, mais c'est un magasin dans lequel je ne vais jamais. J'ai acheté une robe qui ressemble à rien, hyper longue, hyper belle, hyper confortable. Je l'ai prise en marron et ma soeur, c'est hyper drôle parce qu'elle a pris la même à Zara en violet et c'est exactement la même. Genre tout ce qui change, c'est ben, l'étiquette là où il y a écrit Pinky, l'autre il y a écrit Zara, tu vois. Ensuite, on va passer chez Pull&Bear. J'ai acheté ce t-shirt de la collection Rick et Morty. Je kiffe. Que j'aurais dû prendre un petit peu plus grand. Que personnellement, ce genre de t-shirt, je les porte surtout chez moi en robe de nuit pour dormir. Ça coûtait genre 15€, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons ceci. Vous allez me dire, mais Léane, qu'est-ce que tu fous? Écoutez, je ne sais pas. Je voulais l'acheter pour faire, vous savez, tout le monde faisait ça à un moment, ça qui m'énerve. Un layering, ça, avec un t-shirt par-dessus. Et j'ai vraiment bien ma première léopard, tu vois. C'est juste ce t-shirt-là. Et pour finir, j'ai acheté ce t-shirt-là, menthe. Que je trouvais grave mignon, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai exactement le même avec des clémentines dessus. Ensuite, on va passer chez Primark. Alors, à Primark, je n'ai pris que des maillots de bain. Je trouve que c'est extrêmement sous-coté les maillots de bain chez Primark. Si vous êtes comme moi et que chaque année vous mettez un gros budget dans vos maillots de bain, je conseille de pas tous les acheter dans des grandes marques comme Calzedonia. Comme on les change tout le temps, ça sert vraiment à rien. On a ce maillot de bain là, avec le haut qui va avec, qui est comme ceci. Il est hyper basique, hyper simple à porter. Le haut m'a coûté 2,50€ et le bas, pareil. Donc, ça fait un très très beau maillot de bain à
bureau. Ensuite, j'ai acheté ce bas de maillot de bain. À la base, je voulais aller chercher le haut, mais je ne l'ai jamais trouvé. Ensuite, on a le même maillot de bain que le orange, mais en bleu. Il m'a coûté 5€ total. Et ensuite, on a celui-là. Et c'est mon préféré. Il est blanc, avec des crochets comme ça. Par contre, lui, il m'a coûté 15€ le bas et 5€ le haut. Le haut est comme ceci. Ensuite, on va terminer les Shein. Puis, il y a des années que je crie que j'en voulais un. Un cycliste en noir. Je ne recommande pas forcément les cyclistes de chez Shein parce que certes, ils sont pas chers, etc. Mais alors, ils sont assez transparents. La matière, elle est pas ouf quand M, un petit peu trop. J'essaierai de prendre votre vraie taille. Il m'a coûté 4€ si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai ce t-shirt là. Je le kiffe de ouf. Je le mets quasiment tout le temps. Il est hyper facile à porter. La matière, c'est un peu une matière de maillot de foot comme ça. Genre, c'est vraiment pas désagréable. Ma coûté, je sais plus combien. Je mettrai de toute façon tous les prix sont sur l'écran. J'ai pris en M. Ensuite, j'ai pris cette jupe là. Trop mimes, verte avec des petites fleurs comme ça. J'ai pris en M aussi. Là, c'est le jupe. Et je me suis dit, j'aime bien le vert. Je me suis dit, vas-y, je la prends. Et je l'ai prise. Ensuite, on a ma robe cerise. Que j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Elle est un petit peu courte, mais ça va. Je crois que la robe, c'est un pas de chez Shein. J'ai acheté ces chaussettes là, cerises, chez Eram. Et je trouvais qu'elles étaient grave mignonnes. Et je voulais trop les porter avec la robe. En plus, j'ai les boucles d'oreilles qui vont avec. J'ai pris cette robe en M. Ça a l'air pas trop solide. J'ai pris ce t-shirt de Mango avec un papier basique. Je l'ai pris en M, il est un petit peu grand, mais c'est pas grave, ça passe. Et voilà. On a ce t-shirt là que j'ai mis plusieurs fois sur Instagram. Il est trop beau. S'ouvrir, genre tu sais, tu peux le porter ouvert comme une petite veste et tout, ou fermé comme un t-shirt. Ouvert comme ça, tu vois, sur le bas. De toute façon, c'est le t-shirt qu'on voit partout sur Instagram, mais moi je l'ai pris en noir. Et en léopard, juste ici. Comme j'ai dit, j'ai un problème avec le léopard. Ce t-shirt là, donc je l'ai pris en S. Il est ben, transparent, mais il est hyper mignon. Genre vraiment grave, portable. Et genre, tu sais, il se met comme ça là, l'attache dans le dos et je kiffe le nœud, tu vois. Et pour terminer, j'ai bien évidemment acheté des maillots de bain. Vous avez compris. On a ce maillot de bain là. Déjà, le devant et le derrière, c'est la même taille. Et c'est pas de la faute de Shein, absolument pas, c'est juste moi que je l'ai pris en M. Voilà le haut. Si vous avez des gros seins, n'y pensez même pas. Moi, j'ai de la chance. Ma commande Shein, elle a mis 9 jours à arriver. On a ce maillot de bain là. Ce maillot de bain là, c'est complètement l'inverse de l'autre. Bon, il est hyper grand. C'est du M toujours. Hein. Et le haut, pareil. Ensuite, on a ce maillot de bain là. Moi, ce que j'aime en fait, c'est le dos qui est comme ça. Par contre, il est hyper family friendly, tu vois. Le motif, c'est bandana, tu vois. Ensuite, mes sœurs et ma mère se sont moquées de moi à cause de ce maillot de bain là. C'est ce maillot de bain là. Oui. J'aime pas ma vie. En fait, j'ai un problème. Je vous ai dit, vous adorez l'imprimé léopard. Et ben, dites-vous qu'avec l'imprimé vache, c'est pire. En plus, il était pas cher. Je me suis dit, bon, Léane, faut que tu le prennes. J'ai pris en S, lui par contre. En fait, les deux maillots de Shein, c'est que un coup le M il est trop grand, un coup le S il est trop petit, un coup le S il a ta taille, un coup le. Bref, c'est un truc de ouf. Le bail comme ça, pareil, family friendly. Donc, on adore. Et pour terminer, j'ai ce maillot de bain là. C'est mon préféré pour l'instant. J'ai pas de maillot de bain noir. J'ai pris en M, j'aurais peut-être dû le prendre en S par contre. Et le bas, n'y est presque. On a connu pire. Genre déjà, il y a une différence entre le devant et le derrière. C'est la fin de ce haul. J'espère qu'il t'aura plu. S'il t'a plu, je te laisse me laisser un pouce en l'air et un gentil commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, sur le bouton rouge qui est juste en bas. À me suivre sur mes réseaux sociaux. À me suivre sur Instagram, Fanazian sur Snapchat. Et moi, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.